chaîne Intercycle, aujourd'hui nous allons vous présenter une séance de yoga. Soleil. Soleil. Grand soleil. Soleil avec quelques nuages. Soleil avec deux nuages. Donc là, on chauffe ses mains. Puis après, on vient masser le front jusqu'en bas. Et on vient tourner autour des yeux. On frotte en dessus et en dessous de la bouche. Puis, on réchauffe les mains. On vient t'apposer sur le dessus du crâne. Puis, on vient lisser le cou. On vient frotter la clavicule avec son pouce. Et puis l'autre. On frotte le sternum. Puis, en dessous des deux côtes. On vient taper donc à l'extérieur des jambes, puis on remonte en dessous. Et là, on lisse. Pareil sur les bras. On s'écoule les mains. Et voilà. Ah, la salutation au soleil. On attrape le soleil, on ramène à nos pieds, on met le pied droit en arrière, le pied gauche à côté, on écrase le soleil, mais il remonte, il est plus fort. Ensuite, on ramène sous le ventre, on met le pied droit en avant, le pied gauche à côté, on le ramène dans le ciel et on attrape juste quelques rayons qu'on amène dans notre cœur. On attrape le soleil, on le ramène à nos pieds, on met le pied gauche en arrière, le pied droit à côté, on écrase le soleil, mais il remonte, il est plus fort. Ensuite, on le ramène sous le vent, on met le pied gauche en avant, le pied droit à côté, on le ramène dans le ciel et on attrape juste quelques rayons qu'on ramène dans notre cœur. On va présenter le mandala animé.
un jeu de posture. Il y a 5 cartes et 5 positions. On doit choisir 2 jaunes, 2 oranges et une rouge. On doit reproduire les postures et les enchaîner. Tiens, ah si, après le point d'arrêt, on a le nuage. Là, on a choisi nos cartes, donc on doit essayer de faire un bon enchaînement de positions et de voir ce qui irait le mieux enchaîner. Donc on est en train de se décider. Et celle-là. Et ensuite ça. Ouais. Et ensuite, on pourrait mettre le chameau. Qui sont debout, celles qui sont et ça. Ça et la montagne en dernier. Voilà. Ben, pour le moment, on est plus au sol. Donc le nuage, on est totalement allongé. Après, on se met sur le ventre, on se met en coccinelle. Puis le chameau, c'est à peu près la même position, mais plus relevé. Après, on passe au chien tête en bas parce que c'est pas totalement relevé. Et tout de suite, après, on se relève et on fait la montagne. Alors, on commence par le nuage. Puis la coccinelle. Ensuite, le chameau. Le chien. Et en bas. Puis la montagne. Nous allons commencer par la posture de là. Puis le pingouin. Puis ensuite le singe. Puis le poisson. Je vais finir par la position du lotus. On écrit des lettres pour voir si le tableau fonctionne bien. Si le tableau marche bien, on peut effacer. Et on peut commencer un dessin. On peut faire un dessin abstrait ou un dessin réaliste. On peut utiliser toutes les couleurs. On met les dernières touches de son dessin. Quand on a fini, on peut effacer.